Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Super Mario Odyssey. Il va sûrement y avoir des trucs très importants aujourd'hui. Pourquoi? Vous le voyez, non, ce n'est pas la tenue de cosmonaute qui est importante, même si c'est vrai que j'ai fait un petit tour sur la Lune et du coup je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai fait des petits achats. Mais vous voyez qu'il ne manque plus que une seule petite lune pour les 500. Et aux 500, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? On va le savoir aujourd'hui. J'ai plus qu'une seule lune à récupérer, du coup, bah ça devrait aller assez vite. D'ailleurs, pour aller plus vite, je vais même carrément débloquer le truc, puisque c'est le nom que je lui ai donné. vous savez, le truc là-bas. Par contre, est-ce que je peux pas nager dans l'eau froide, d'accord? Ah si, ok. Ah bon, je pensais que dans l'eau froide, je pouvais pas, d'accord. Puisque, voilà, il y a un bloc là-bas pour débloquer certaines lunes. Et je vais m'empresser de le casser. Oh, un petit truc derrière. Et dès que j'aurai une lune, on bougera puisque je n'ai pas fait. Il y a une zone qui est déjà débloquée que j'ai pas encore faite et je m'en suis rendu compte entre les vidéos précédentes et celle-là. Le côté obscur, on n'y est toujours pas allé. On n'y est toujours pas allé, hein. J'ai toujours pas fait, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, je sais pas si on va faire un tour. En tout cas, on va voir ce qui se passe après quand on a les 500 lunes. Si il faut que j'aille, s'il faut que je retrouve Peach partout, je pense que je le ferai pas dans cette vidéo. Je ferai surtout, comment dire. Attendez, comment on fait pour participer à une nouvelle course? Faut retrouver notre pote. Ah oui! Voilà. C'est ça, ouais, ok. Je pense que je ferai plutôt le côté obscur puisque je ne l'ai pas encore fait. En tout cas, on va refaire une course. Ça va être un niveau difficile, je suppose, puisqu'on a déjà fait en niveau facile. Ah non, niveau 1. Bah, il m'a quand même promis une lune, hein. Donc pourquoi pas, on peut y croire. Quand je me souviens plus exactement comment ça marche ça. Ah ouais, le parcours est vachement différent. Ah, on n'a pas d'essai là, ok. Ok. Ah, on peut pousser les autres. Intéressant. On peut tricher comme des porcs. Ok, je sais pas comment les autres font pour aller vraiment à ce point plus vite que moi. Mais je le vis bien. Bon, ça va, on n'a pas trop de retard, il y a 3 tours. Ça devrait aller, on est premier, c'est bien. C'est bien! Ouais. Je saute sans vraiment savoir si c'est une bonne idée. J'ai l'impression que oui. Parce que là, j'ai arrêté de sauter, ils m'ont rattrapé. Donc, comme quoi. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Pas facile, hein? Mais est-ce que les autres gagnent une lune s'ils gagnent? Parce qu'ils en ont rien à foutre des lunes théoriquement, hein. Donc au pire, soit vous me laissez gagner, soit je vous laisse gagner et je repars avec la lune. On peut faire ça. En tout cas, ça a l'air d'aller là. Ah, il y en a un que je crois qui m'a dépassé furtivement. Ah non, ah j'ai... Oh là là, j'ai perdu tellement de temps. Oh oui, je l'ai gêné. Oh, incroyable. Oh, ce qu'on produit, c'est fou. Ok, pas retomber dans la neige nulle. Allez mon grand, je crois en toi. Faites que l'eau s'il me rattrape pas, je vais... S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai une famille. J'ai des enfants à nourrir. Oui, voilà. Ok, nous avons 500 lunes. C'est officiel. Enfin, c'est officiel. Ce sera officiel quand je l'aurai lancé dans. Dis-moi que c'est une. Ok, c'est pas une transparente. Non, parce qu'on sait jamais quand même. Il va falloir la mettre dans. On est à 500 lignes de... On a 500 lignes de puissance. Avec ça, on peut. Finis ta phrase, s'il te plaît. Merde. Ah, il a pas fini sa phrase! Bon, y a un truc là, mais. On s'en fout. Hop, viens là, toi. Hop, on va aller plus vite comme ça. On passe par là. Il y a l'air d'y avoir plein de trucs à faire. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Merde. Attends. Ah, mais non, on s'en fout, on a qu'à faire ça. On a qu'à se téléporter, mais oui, c'est vrai. Ah oui, on peut se TP à plein de points d'intérêt sur les maps. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Ça facilite trop le jeu, je pense.
C'est pas nécessaire. Après, il y a des endroits qui sont chiants à accéder, mais bon. Voilà, il faudra en mettre moins. Point d'intérêt. Et nous sommes à 500. Alors maintenant, que faisons-nous? Oui, mais pour aller où? Encore un endroit de la lune. Au côté très obscur. Ok, bah je pense qu'on va commencer par le côté obscur tout court. Ça me paraît logique. Je pensais que c'était autre chose. Je pouvais pas me douter que ce serait le côté très obscur. ouais, bah déçu, oui. Oui, déçu, oui. Je sais pas si c'est grand. Ouais, donc, Ah, là, on n'a jamais fait cette animation-là. Du coup, j'ai bien fait de garder ma combinaison de cosmonaute, même au pays des neiges, puisque comme ça, j'ai pas à la remettre maintenant. Bon. Passage cinétique. Bah oui, hein, parce que, a priori, c'est juste un voyage vers la Lune. Il y a une lumière tout en haut. Ok. Ok, ça me va. On va y aller doucement. Pour rien louper. Ok, il y a rien d'autre à voir visiblement. C'est des lapins partout. On peut pas les attraper, non. Pour avoir une lune à chaque fois. Ça me paraîtrait un peu beaucoup. Ah, on peut leur sauter dessus. Parfait. Ça sert à rien, mais c'est bien quand même. Rien là-dedans, si, une pièce. Super, incroyable. La richesse. Pas de pièce violette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une tomate. Intéressant. Avançons. Il n'y a pas l'air d'y avoir des choses cachées. Une grotte. Une cavité. Tour de la crépinière, premier étage. Oh non! C'est pas vrai. J'en ai marre. J'aurais dû aller au côté très obscur. Ah ouais, mais il y a la gravité. Ah! Attends, il faut dégommer tous les chapeaux là? Oh, relou. Bon, ça va, easy. Ah, j'ai déjà pris un dégât. Trop tard. Attends, par contre, si je casse les chapeaux là, comme ça, si je les casse maintenant, il y a moyen qu'ils me donnent des cœurs. Peut-être, un jour, s'il te plaît. Ouais. Ah mais oui, son attaque est de plus en plus petite. Forcément. Vas-y, mais ça fait pas un cœur, mais... Donc on peut pas se soigner. C'est la cata. Ah non, non, pas comme ça. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Ah mais what? Ah bah ouais, mais il y a 14 milliards de chapeaux aussi. Attends, on va... Ah attends. Hop là. Ah par contre, je suis loin. Ouais. Bon, ça va, là ça devient de plus en plus facile. En théorie. Ah. Rester à distance. Non, non. J'avais pas envie que ça dure plus longtemps contre eux. Ah si on m'avait dit qu'il y avait les Broodles encore après, j'aurais peut-être pas eu l'intention de faire le jeu à 100%. Non mais vraiment je les aime pas, je les trouve pas beaux, pas d'histoire, rien, enfin non, nul.
Bon, cette fois-ci, promis, on prend 0 dégâts avant la troisième phase. Enfin, promis, je promets rien, mais... On va essayer, quoi. Hop. Ok. Ok, là, ça va, easy. Carrément faire comme ça. Oh non, mais non, mais non. Mais comment ça? Dans quelle planète? J'ai chaud au cul. Comment j'ai fait? What? J'ai pas touché l'autre là? Ah! Ah! Attends, je veux dégommer l'autre. Voilà. Ouais. Et voilà. Enfin. Alors, je sais pas si on les fait un par un ou. Non, je pense pas. Ah, si, peut-être avec de différentes salles. Ouais, probablement. On va devoir les faire un par un. Il va encore y avoir un fight où ils auront une machine, un truc comme ça. On va devoir les combattre tous les quatre ensemble, comme au Pays de Bowser. Si je pouvais éviter de prendre des murs, ce serait bien. J'en ai pris un peu trop dans ma vie. Et je suis pas soigné! Je vous demande pardon. Alors j'espère que si je meurs, je suis ramené... Enfin, je refais que le deuxième et pas le premier. Hein. Parce que... Oh putain, non mais je suis pas soigné. Oh non, mais c'est une infamie. C'est une infamie. Bon, ça va, elle, je pense que c'est plus simple. De mémoire. Ah non, c'est pas plus simple du tout. Hein. Elle, je peux gérer de prendre un seul dégât, mais prendre zéro dégât contre elle, c'est pas évident. Hein. Dis-moi qu'on fait pas le premier étage. Non, non, mais je veux back. Ah non, non, non. Oh, franchement, vraiment trop relou, quoi. Je veux pas refaire ça 4000 fois, quoi. Je vais aller au côté très, très obscur, là, machin truc. Oh, mais non, mais c'est d'un relou pas possible, quoi. Y a pas de soin, c'est scandaleux. Comment tu veux qu'on les enchaîne tous sans soin? On prenne... Si, il faudrait qu'on achète un cœur. Ouais, faudrait qu'on achète un cœur, machin truc, là. Ouais. Bah écoutez, il n'y a pas de boutique, donc on le fera avec un cœur, machin, machin. Attendant, on va au côté très obscur. Enfin, je sais pas ce qui se passe quand on finit côté obscur, donc... passage cinématique, yes! On va aller là où... On a débloqué, enfin ce qu'on a débloqué avec les 500 lunes, et ça a l'air un peu plus sympa déjà. Il y a un building là-dessus, ok. Tout va bien. Pas tout seul on dirait. Ah bah non. Attention danger, il vaut mieux ne pas continuer plus loin. Fais gaffe à toi. Pourquoi il y a cette musique là ici? Ouais. C'est tout? Y'a rien? Ça sent quand même une vraie fin du jeu. Hein. Pour qu'ils me disent ça. Qu'est-ce qu'elle fout là? Si, ça me devait t'encourager. Hein? Ouais. Ok, deux d'un coup, superbe.
Comment ça? Faut faire une pile ou pas? Non. S'il fallait faire une pile, il n'y aurait pas un machin qui détruit tout le monde. À moins qu'il y ait une goombette plus loin, mais je vois pas trop comment on pourrait l'atteindre. Donc, Enfin, avec les goombas, je veux dire. Ah! C'est de la merde. Ok. Non! Oh! Ok. Ok. Jusque là, ça va. Ok. Mais comment? Mais comment que... À quel moment de ma vie on a le... j'ai le temps là? Jamais de ma vie j'ai le temps? Mais c'est n'importe quoi. What? Cool. Attends, là vraiment je piche pas là. Je ne pige rien. Attends, non. En glissant, ça remonte plus que ça ne, tombe. Enfin, en faisant des wall jump plutôt. Je dis n'importe quoi. Bravo, bravo, c'est super, belle performance. Bravo. Bah, autant en mourir. Hein. Non, mais je. Non, mais vous allez vous dire que je suis vraiment pas doué, quoi. Je sais pas si, ça arrive à tout le monde. Mais là, vous devez vous dire que je suis vraiment pas doué, quoi. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'être mal à l'aise avec les contrôles. Il y a juste les, combos, là, qui sont, super durs. Ça, enfin, ces trucs-là. Ça, c'est dur, mais bon. Là, on en est pas là, quoi. Ah non, ça descend autant que qu'on remonte, donc on a l'impression de ne pas bouger. Attends, mais... Ça veut dire que pour de vrai, j'ai le temps? Oh la vache. Donc faut anticiper le moment où ça remonte. Mais jamais de ma vie! Mais c'est impossible. Ça me paraît impossible. Ou alors c'est à la frame. Mais tu peux pas demander de faire un truc à la frame comme ça, quoi. Ah, donc ça, ça lâche des Goombas. Et ça les détruit après. Tout à fait sain d'esprit, hein. Non mais je vais jamais... Au final, j'aurais rien fait aujourd'hui. J'aurais rien fait dans cette vidéo. Littéralement. Ah, on peut se poser là, tranquille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Ah ouais, faut y aller direct en fait. Comment? Mais on a fait un truc. Par contre, comment on fait là? Attends, je suis censé pouvoir... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est immensément difficile. Et faut recommencer du début, évidemment. Bah, sinon c'est pas drôle. Hein. Oh mon dieu. En vrai, on peut peut-être réussir à passer le premier truc avec les, barreaux, là, en prenant qu'un seul dégât. Si on calcule bien le moment où on prend le dégât, il y a moyen de faire ça intelligemment. Je crois que j'ai pris un dégât avant, donc j'avais pris qu'un seul dégât après. Je crois.
fait, faut pas attendre. Ok. Faut pas attendre du tout, en fait. C'est moi qui fais l'erreur d'attendre. Et là, on peut y aller. Ok. Alléluia. Ok. Ok, faut faire des petits sauts, ça suffit. C'est moi qui me casse la tête avec des longs jumps. C'est pas nécessaire. Ok, les grands nous font ralentir. Pas les moyens et les petits. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Il y a un cœur là. Oh Dieu merci, oui. Non, reviens là toi. Ouais, viens. Mais quoi? J'ai pas bougé le... J'ai pas touché mon stick. C'est quoi ça? Merde. Là, il va falloir sauter les trucs un par un là. Attends, c'est quoi qu'il y a là-bas? Ah oui, non, il faut capturer le machin. Mais pourquoi il y a une tomate là? Les tomates, j'ai jamais compris comment s'en servir. Hein. Enfin, comment on pouvait les manipuler, si vous voyez ce que je veux dire. Attends. On met un turbo, on saute. Non! 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 Non, il n'y a pas de drapeau! L'exploit qu'on a fait avant, mais non. Je suis perplexe. Ah vraiment, falloir te refaire là. Non mais c'est pain in the ass là quand même. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Je ne peux que l'admettre. Là, je vais bien vous avouer que je suis perturbé. Bah écoutez, on va rester là pour jouer. De toute façon, je sais très bien que je vais pas réussir à... Enfin, je mettrai tellement des millénaires à réussir à arriver au bout que c'est pas la peine que je continue pour aujourd'hui. La vidéo serait immensément trop longue. Du coup, on va en rester là. Je sais pas du tout ce qu'on va faire la prochaine fois. Est-ce qu'on refait les Broodles? Est-ce que je les fais de mon... Non, les Broodles, je vais faire de mon côté. Je vous épargner ça. Hein. Il y en a déjà eu 4 milliards des combats contre eux. Donc on va s'en passer, c'est pas très important. Ça, je pense que je le referai en vidéo. Et du coup je ne sais pas quelle sera la suite. Mais vu mon niveau, ça risque pas d'arriver. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé me voir souffrir. Parce que si vous avez aimé cette vidéo, voilà quoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur Super Mario Odyssey. Je vous dis rendez-vous, à très bientôt, salut tout le monde.